Alors la Team Madrid, est-ce que vous êtes chaud? On gagne ce soir, on gagne! On gagne! On gagne! C'est le jour J, c'est le jour JJ, c'est le jour Giroud, tout JJ, tout Zourou, tout JJ, allez Zourou, tout JJ. C'est plus Chelsea, c'est Chelsea, oh là vous allez sortir! Chelsea, c'est quoi ce club? Ils ont 3 supporters en France, oh là que c'est vrai les gars! Ils ont 3 supporters! Oh, personne supporte Chelsea, c'est incroyable, miskin. Oh là, c'est Chelsea, il supporte tout seul, miskin. Oh là, personne vous aime, vous n'avez pas d'histoire. Votre club, il a été créé en 2008. Le meilleur buteur de l'histoire de Chelsea, c'est un milieu de terrain. Oh là, c'est Frank Lampard, Frank Lampadaire. Il a éclairé Chelsea comme un lampadaire éclaire la rue. Oh là, c'est vrai. Oh, c'est grave, les gars, le meilleur buteur de l'histoire. C'est un milieu défensif. Oh là que c'est vrai. Oh là, je crois, Lampard, il a mis 45 buts, 44 pénaltys. Vous croyez que c'est ça qui va faire peur à Madrid? C'est la maison blanche. C'est pas la maison flanche, les gars. Oh là, en route vers la décimo quarta, les gars. La décimo. La vérité, c'est un sujet tabou. Chelsea n'a pas de supporters en France. Oh là. En France, ça supporte le Barça, le Real, le Bayern. Dortmund, ouais. Mais Chelsea, les gars, tout le monde s'en fout. Ils sont combien au classement Chelsea? Combien ils sont en Angleterre? Oh là, tu sais pas. Personne sait. Tout le monde s'en fout. On s'en fout. Petit message à tous les fans de CR7, CR Sieste. Hein? Les gens qui disaient, ouais, Ronaldo, il part de Madrid. Madrid, c'est foutu. La seule star à Madrid, c'est Madrid. Oh là, le Real Madrid a gagné des Ligues des Champions avant Ronaldo. Pendant Ronaldo, ils en gagneront après Ronaldo, les gars. Mais oui! Vous allez voir les blues, vous allez avoir le blues, voilà! Les blues, ouais, les blues de vache, bande de fermiers anglais, voilà! Avec leur attaquant Werner, c'est plus Werner, c'est Where are you? On va plus te voir, toi! Invisible, tu vas être! Petite mise au clair là, les journalistes depuis 2 semaines, ouais le grand duel tant attendu, Benzema vs Giroud, à croire c'est Josh Foreman vs Mohamed Ali, à croire c'est Nadal vs Federer, oh là, la F1 vs le karting, ouais le duel, quel duel, Giroud il est même pas titulaire, il joue même pas à Chelsea, ouais, il joue même pas les gars, ne comparez pas Giroud et Benzema. Peut-être c'est le duel Giroud vs Mariano. Là oui encore. Les deux ils jouent jamais. D'accord. Le coach, il lui fait même pas confiance. Oh là que c'est vrai. Vous parlez comme si Benzema était en compétition avec Giroud. Il en a rien à foutre de Gigi. Oh là. Giroud vs Nacho. Là oui, y a pas de problème frère. Mais pas Giroud vs Benzema. Ça a rien à voir. Benzema vs Kanté peut-être. Ziyech, oui, mais arrêtez votre sketch. Ne comparez pas la Formule 1 et le karting. C'est pas moi qui le dis, c'est Benzema lui-même. Wow. Un petit saut dans le passé, les gars. Quand Benzema, il a déclaré, je suis la Formule 1 et Giroud, c'est le karting. Les gens, ils ont dit quoi? Ouais, Benzema, il se permet de clasher. C'est pas un clash. C'est un fait, les gars. Voilà. De dire que Benzema est plus fort que Giroud, c'est comme dire que le feu, ça brûle et que l'eau, ça mouille. C'est un fait, les gars. Il n'y a pas de clash. Il n'y a pas de blague. C'est la vérité. Et d'ailleurs, Benzema, il avait dit, Ronaldo R9, c'est la Formule 1. Et moi, je suis le karting par rapport à Ronaldo et Giroud. Il a fait quoi, le mec, en interview? Ouais, moi, je réponds pas aux critiques. Je me concentre sur le terrain. Tu joues même pas sur le terrain, déjà. T'es remplaçant. Au lieu de dire en interview, ouais, là, il a raison, Benzema. Oh là, Giroud aurait dû dire ça. Il aurait dû dire en interview, il a raison. Mais il a fait le mec, ouais, je réponds pas aux critiques. La nuit. Trop. Le mec, il est même pas titulaire à Chelsea. Il n'est pas en concurrence avec Lewandowski. Il n'est pas en concurrence avec Haaland. Il est en concurrence avec Werner. Werner, frère. Werner. La fecha de hoy, Madrid, y Carvajal, a la Madrid. En plus les gars, il y a le nouveau Astérix qui sort bientôt les frères. J'aurais pu avoir un rôle dedans, oh là, le rôle de Footix. C'était pour moi, il était fait pour moi ce rôle. Les amis, je vous ai dit, on compare pas la F1 et le karting. Voilà, c'est un karting de compétition, les amis. Et Giroud, il est là, Gigi. Nul, Giroud, nul.
Les amis, tout karting qui se respecte, il se démarre avec une sangle, les amis. Les vrais, ils connaissent, les frères. Hein. Donc voilà, les amis. Hey, le prochain qui se coupe avec moi, je le démarre comme je vais démarrer le karting. Et le motard, tu perds rien pour attendre. Après le ramadan, tu vas voir. Le motard contre le karting. On verra qui va gagner. Les gens disent, ouais, c'est trop tard. Vaut motard que jamais. Vaut motard que jamais, les amis. La vie de ma mère. Donc là, on va le démarrer, les amis. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts pour le match, les amis? Ce soir, c'est... Folie les amis! La F1, PS de karting, tous derrière la Formule 1 les gars. Karim Benzema, c'est pas des pieds qu'il a, c'est des voitures de Formule 1, la vie ma mère. Et Giroud, espèce de karting Giroud. Nul Giroud, nul, nul, la vie de ma mère. Ce soir c'est match les amis, match, la vie ma mère. C'est plus la Ligue des Champions, c'est le Grand Prix de Monaco, c'est les 24 heures du Mans les gars. Le match de l'année ce soir, oh là, allez Giroud Miskin, espèce de nul, nul Giroud. Les amis, qui dit match exceptionnel dit mise exceptionnelle, les amis. J'ai préparé une grosse mise, je vais miser sur Winamax. C'est plus Winamax, c'est Winamax, match les amis. Gros match ce soir, j'ai vu la cote sur Winamax, elle est à 2,35. Je vais envoyer la daronne sur la cote. Si je perds mon pari sur Winamax, les amis, là, je vous ma mère passe le quartier, nul. C'est la dégoûtada, c'est la catastrophada, les gars. Regardez ce que j'ai fait au karting. Regardez, les amis. Mais de toute façon, avec tout l'oseille que je vais me faire sur Winamax ce soir, en misant sur le Real, c'est plus le Real, c'est le réel. On va encaisser, c'est réel, les amis. Bien sûr, je vais miser sur Winamax. C'est là où il y a les meilleures cotes, les amis. Winamax, au niveau des bookmakers, c'est la Formule 1. Les autres, c'est des karting. La vie de ma mère, Winamax, c'est la Formule 1 des bookmakers en France, c'est la vérité. Les autres, vous êtes des karting, des pédalos, des voitures tamponneuses. Ce soir, c'est match. Match. Les amis, là, j'ai un karting. Avec ce que je vais gagner sur Winamax ce soir, je vais m'acheter une Formule 1, les gars. Mais oui, Winamax, les gars. La cote de Madrid, je l'ai trouvée à 2,35. Je suis allé au bureau tabac, les gars. La cote, elle était à 2,20. 2,20 contre 2,35. C'est le même match. C'est la même mise. Mais c'est pas le même gain. C'est incroyable, les amis. La buraliste, en plus qu'elle paye pas, elle a des cotes de merde. Les meilleures cotes sont chez Winamax. Vous trouverez pas mieux, les amis. C'est impossible. Voilà les gars, tous ceux qui veulent miser sur Winamax, il y a une offre exceptionnelle. Qui dit match exceptionnel, dit offre exceptionnelle. Winamax vous offre pas 100 euros, mais 120 euros. Les gars, 120 euros, dont 20 euros de free bet pour aller au Phuket et envoyer la daronne à Phuket, les amis. Donc les frères,
pour tous les nouveaux inscrits, ne crachez pas sur cette offre. Elle est rare comme un but de Valère Germain. Elle est rare comme Giroud titulaire à Chelsea, les gars. Mais oui, donc 120 euros offerts, les gars. Ne crachez pas. Très important, les amis, à tous les mineurs, ne jouez pas au jeu d'argent. Jouez au jeu de société si vous voulez, mais pas au jeu d'argent, c'est pas pour vous. On l'a mis. Oh! Qu'est-ce qu'il y a, tu parles à moi? Bah oui, on l'a mis au chevelis. Allez, vas-y, bouge là. Quoi? Bouge là. T'as pardon? Péter un câble, la vie de ma mère, oh là c'est une honte, oh là c'est une honte, c'est une honte ça, oh là c'est pas normal, c'est pas normal, pas... Oh là là la Formule 1, oh là 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 là, vroom vroom, incroyable Ada, Benzé magique les gars, oh là. Incroyable, incroyable. Faut pousser, on pousse les gars, on pousse. C'est une catastrophe les gars, une catastrophe. Comment le karting peut dépasser la F1? C'est pas normal, pas normal. Je vais péter un câble les gars. Oula, Chelsea ne peut pas aller en finale. Ils ont 3 supporters les gars. Oula, personne les aime. Personne va regarder la finale à cause d'eux. Ils gâchent tout, la vie. Mama, tous Karim Benzema, tous Bembe, tous Mama, tous Karim Benzema. Oh la Benzema les gars, il est là les gars, il est là. Oh là, putain. Didier Deschamps, t'as plus le choix, Didier Deschamps, t'as plus le choix, Didier, t'as plus le choix, mec. Incroyable. Impossible n'est pas Karim, la vie de ma mère. Allez, Tony Crotte. Allez, boum! Oh, nul! Nul, 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 nul. Karim! Je suis là, Karim! On t'aime! Tous Benzé, tous Mama, tous Karim. Benzema, tous Benzé, tous Mama, tous Karim. S'asseoir à sa table, le regarder droit dans les yeux et lui dire je suis un meilleur attaquant que toi. Qui, les amis? Qui actuellement en Europe? Qui? Oh là, sérieusement? Fumier, bah. Voilà ce gros fumier. Voilà, il a tiré sur Deschamps, les gars. Il a vu Didier Deschamps dans les tribunes, il a visé. Voilà, c'est ça qui arrive, oui. Oh putain de merde, voilà. Eden Hazard, pourquoi il joue pas, ce petit lézard, voilà. Allez, Eden. Eden Hazard, voilà, allez, Eden, allez, frère, la vie de ma mère. Vous allez voir Eden Lézard, même tu le coupes la queue, il continue à courir, il continue à jouer. Vous allez voir. Misère de misère, Ziyech les gars. Karim vs Hakim. C'est très très chaud les gars. Attention, danger. Danger.